Je m'appelle Léo Grasset, j'ai pour occupation de faire de la vulgarisation scientifique en bouquin, en bande dessinée et en vidéo sur YouTube sur la chaîne Dirty Biology. Ce n'est plus une surprise pour personne, la biosphère va exceptionnellement mal. L'aspect aller au bout du monde, c'est quand même assez neuf pour moi, j'ai jamais mis 6 jours pour me rendre quelque part. Et puis être entouré comme ça de scientifiques qui sont hyper excités à l'idée d'aller dans un endroit complètement paumé juste pour voir des animaux, ça aussi c'est relativement neuf. Même dans mes études, j'avais pas autant de passionnés au mètre carré. Le fait de combiner des gens de plusieurs expertises, c'est hyper intéressant. Un exemple tout bête, hein. C'est en me baladant dans le canyon là, je suis tombé sur un arbre qui avait plein de fruits. Dans cet arbre, il y a des oiseaux qui se nourrissent des fruits et qui nichent dans l'arbre. Clairement, là c'est un cas où avoir un botaniste et un ornithologue qui discutent ensemble pour trouver ces arbres là, c'est hyper intéressant. Les voir tous se trimballer ensemble, l'herpéto avec la carcino ou les primatos avec l'herpéto, très grosse complémentarité sur l'accumulation de connaissances. Ouais, c'est fabuleux. Il y a des lémuriens partout, c'est trop cool. Il y a des piafs aussi. Je suis pas un énorme fan de bestioles et tout, j'ai pas le côté naturaliste, mais là, je dois avouer que quand même, ça tabasse.